Pierre-Jean Chalençon dévasté, il annonce une nouvelle déchirante. Pierre-Jean Chalençon, ancien acheteur d'affaires conclu, a annoncé sur Twitter le samedi 8 juillet 2023 que l'une de ses amies proches s'était suicidée à l'âge de 56 ans, le rendant très triste. Pierre-Jean Chalençon, personnalité bien connue de la télévision française, est célèbre pour son apparence unique, avec ses boucles blondes, ses lunettes et ses chemises colorées. Il a su se faire apprécier du public grâce à son rôle d'acheteur excentrique dans l'émission « Affaires conclues », où il était connu pour son amour des objets liés à Napoléon Bonaparte. Bien qu'il ne fasse plus partie de l'émission, ses fans peuvent toujours suivre ses aventures sur Twitter, où il partage régulièrement des photos et des anecdotes de sa vie quotidienne. Cependant, le 8 juillet 2023, Pierre-Jean Chalençon a été frappé par une triste nouvelle, l'un de ses amis avait mis fin à ses jours. Profondément affecté par cette perte, il a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer son choc et sa douleur. Il a expliqué qu'il avait vu son ami une semaine auparavant, en compagnie de sa famille, et que tout semblait aller bien. Cette tragédie l'a donc pris de court et l'a laissé dans un état de grande tristesse. Malgré cette épreuve difficile, Pierre-Jean Chalençon continue de vivre sa vie avec passion et enthousiasme, partageant sa joie de vivre avec ceux qui l'entourent. Il est un véritable exemple pour tous ceux qui cherchent à rester forts et optimistes, même dans les moments les plus sombres de la vie. Pierre-Jean Chalençon, trop jeune pour partir. Pierre-Jean Chalençon, ancien acheteur d'affaires conclu, est aujourd'hui confronté à la douloureuse perte d'une amie très chère à son cœur. Pour honorer la promesse qu'il a faite à sa défunte amie, il a décidé de prendre soin de sa famille pour le restant de ses jours. Il souhaite être présent autant que possible pour eux, les aider à traverser cette période difficile et les soutenir dans leur deuil. Malheureusement, le suicide est une épreuve extrêmement difficile pour les proches qui restent. Pierre-Jean Chalençon, lui-même en deuil, éprouve de la peine et de la difficulté à accepter le départ si prématuré de son ami. Malgré son chagrin, il est touché et reconnaissant du soutien qu'il a reçu de ses fans. Les commentaires encourageants laissés sur son tweet l'ont aidé à traverser cette période difficile. Face à cette épreuve, Pierre-Jean Chalençon reste fort et déterminé à honorer la mémoire de son ami en prenant soin de sa famille et en étant présent pour eux autant que possible.